Good morgen, Aleiden, les tutres aujourd'hui, le Nishmat, Mori Ber Bishmuel Ben Shlomo Zalman, Nissi Ben Ahuda, Sarah Bat Hana Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Bat Chaim Nechemia, ainsi que l'Irfuat Avram, Uri Ben Rud, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Zevachim, Perek Yud Mishnah Vav. Keshem Shehen Kodmin Ba'akravatan, Kach En Kodmin Ba'achilatan. שלמים של אמש ושלמים של היום של אמש קודמין, שלמים של אמש וחטאת ואשם של היום, שלמים של אמש קודמין דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, החטאת קודמת מפני שהיא קודשי קדשים. On est encore dans les הלכות des priorités. Pour rappel, depuis le début du Perek, on a parlé de korbanot, que différentes espèces de korbanot qui se retrouvent en même temps au Beth Amikdash, à qui donne-t-on priorité? Un Kohen qui doit commencer à faire un Korban, il y a un Khatat et un Shlamim qui arrivent devant lui, il y a des règles, on va lui dire tout celui qui est plus Kadosh, tout celui qui est plus Tadir. On a vu plusieurs règles, on a comparé à peu près tous les Korbanot jusqu'à maintenant. Dans notre Mishnah maintenant, la Mishnah commence en nous disant une première règle, tout d'abord, « Keshem Shehem Kodmin Be'akervatan, Kach En Kodmin Be'akhilatan » Autant qu'il y a des règles de priorité en fait pour la hakrava, pour les offrir au Beth Amikdash, au Mizbeach. Il y a des règles de priorité qui vont me dire commence par le faire à lui avant l'autre. Alors, kar en kodmin ba'achilatan, aussi ces règles de priorité interviendront pour établir par qui doit-on manger. Vous savez bien que pour beaucoup de korbanot, les kohanim doivent ensuite manger une part, que ce soit un khatat, que ce soit un hacham, il y a de la viande ensuite à manger, et il y a un shlamim, essentiellement, donc, il y a des parts à manger, et les parts à consommer, il y a une mitzvah, le fait que le kohanim mange, ça expie davantage la faute, même s'ils n'ont pas mangé, on s'est quand même acquitté, mais quand même, à kohanim, ochlim, ou baalim mitkaprim, c'est l'expression de la Gemara utilisée dans plein d'endroits, donc il y a une mitzvah que le kohanim mange, et il y aura aussi des règles de priorité à l'intérieur. Ça veut dire, si on va porter un steak de shlamim et un steak de khatat, on va lui dire, ben écoute, khatat, ça devance, parce que khatat, c'est kodesh kodeshim, c'est plus kadosh. Khatat et hacham, comme ce qu'on a appris, khatat avant le hacham, parce que le khatat, le sang, il monte en haut, donc il est plus important, donc tu commences par manger le plus important. D'accord ? Principe simple pour le moment. Avec, cette fois-ci, une halakha un peu particulière. Tout d'abord, le cas simple. Shlamim shel emesh ou shlamim shel hayom shel emesh kodmin. Si vous vous rappelez du perek de Ezeum et Koman shel Zvachim, on avait appris là-bas que la plupart des korbanot, ils sont toujours mangés les yom valayla atratzot. Une journée, le jour où on a offert le korban, et la nuit qui suit pour la consommation. Que Ramim, ils ont délimité en nous disant attention, tu le fais que jusqu'à la moitié de la nuit, comme ça tu ne vas pas courir le risque de manger une fois que ça a passé le temps, parce que c'est un grave interdit. C'est ce qu'on appelle l'interdit de notar, carré sur, carré dessus. Ça, c'est pour la plupart des korbanot. Une journée et la nuit qui suit. Il y a presque une seule exception, quelques-uns en fait, et un peu plus, il y a le Bechor, le Maaser aussi, qui sont consommés cette fois-ci en deux jours et une nuit, c'est-à-dire le jour où on apporte le korban, la nuit qui suit et même le lendemain. D'accord ? Pour le moment, c'est clair. C'est le seul korban qui est un peu particulier. Et regardez quelque chose de spécial qui va se passer. On va se retrouver avec un korban qui a un niveau d'importance moins grand, parce que le shlamim est moins important que le khatat et que le hacham. Mais d'un autre côté, dans certaines situations, il va falloir plutôt s'empresser de le manger, parce que d'ici la tombée de la deuxième journée, en fait, la tombée de la nuit d'après la deuxième journée, le korban sera devenu invalide, tandis que le khatat ou le hacham, on aura plus de temps pour le consommer. C'est ce que la Mishnah maintenant elle va consommer. Mais là, comment la Mishnah commence d'abord avec un cas relativement simple. Un shlamim pour le moment, donc on a dit le shlamim, on est aujourd'hui, par exemple jeudi, donc si on fait aujourd'hui un korban shlamim, on a jeudi, la nuit de jeudi à vendredi, et la journée de vendredi pour le consommer. Imaginez maintenant qu'on a on se retrouve vendredi matin avec un shlamim qui a été offert jeudi et un shlamim qui a été fait vendredi. À qui donne-t-on priorité? Est-ce que... Alors, la Mishnah m'enseigne directement. Ouais, il n'y a presque pas de doute même. Shel emesh kodmin, bien évidemment, tu vas donner priorité à celui qui date de la veille. Pour quelle raison? Parce que celui qui date de la veille, d'ici
Imagine que tu es le vendredi à midi, il te reste 7 heures pour le manger, et après c'est fini, la viande elle va, elle va être invalidée, on ne pourra plus la consommer. Alors que l'autre shlamim que tu as fait vendredi matin, tu auras encore toute la journée de Shabbat, c'est bien, tu vas manger plus de viande pendant Shabbat. Alors reporte sa consommation et consomme d'abord celui qui va devenir, qui va s'invalider tout de suite. D'accord ? Ça c'était le cas simple. Donc shlamim shel emesh, emesh c'est la date d'hier soir, d'hier, d'accord, dans la Torah, Vayochach Emesh, ça a été dit à propos de Lavan, là-bas il y a marqué le mot Emesh, c'est écrit déjà dans la Torah quoi. Donc, Shlamim Shel Emesh, d'un Shlamim qui date de la veille, ou Shlamim Shel Ayom, et le Shlamim qui date d'aujourd'hui, donc comme le cas je vous ai dit, jeudi et vendredi, Shel Emesh Kodmin, bien sûr tu commences par consommer celui qui date de la veille. Pourquoi ? Très prochainement, il va devenir invalidé. Dépêche-toi vite de le manger. Par contre, si on a Shlamim Shel Emesh Vechatat Vehasham Shel Ayom, on se retrouve, je reste sur mon cas, on a porté le Korban Shlamim le jeudi. Le vendredi, on a fait un Korban Khatat. Il s'avère que maintenant, le Shlamim qui date d'hier, d'ici la tombée de la nuit, avant l'entrée de Shabbat, il va devenir invalidé. On ne pourra plus le invalider, on ne pourra plus le consommer. Il sera devenu pas saoul. Le khatat qu'on aura fait dans la journée de vendredi, ou le hacham, on pourra le consommer même la nuit qui suit. Donc on pourra faire la saouda de Shabbat avec. À qui donne-t-on priorité? On se retrouve maintenant le vendredi. Un Kohen, il a deux morceaux de viande devant lui, le shlamim de la veille, ou un khatat de la journée. Qui va-t-il consommer? Est-ce qu'on va... À qui doit-il donner priorité? Est-ce qu'on va cette fois-ci considérer le fait que le korban, la viande va sortir, va devenir invalide, donc dépêche-toi de la consommer? Ou est-ce qu'on va dire, non, écoute, il y a une règle de priorité, tu manges le khatat avant le shlamim? Et c'est en ça qu'ils discutent Rabbi Meir et Chachamim. Regardez. Shlamim shel emesh, un shlamim qui date de la veille. Tandis qu'on a un khatat ve'asham shel ayom et un khatat ve'asham qui ont été offerts aujourd'hui. Ouais, khatat, c'est les korbanot expiatoires, vous vous rappelez. Alors, shlamim shel emesh kodmin. Dire Rabbi Meir va te dire, non, cette fois-ci, tu donnes priorité au shlamim de la veille, au korban shlamim de la veille, parce qu'il ne faut surtout pas lui raccourcir, lui écourter le temps de consommation, c'est dommage, il va, d'ici quelques heures, c'est fini. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Tandis que Chachamim, va Chachamim omrim, non, achatat kodemet, c'est pas grave, il y a des règles de priorité, toi, tu ne dois pas faire les cheshbonot d'Hachem, fais tout ce que tu peux, dans l'ordre, selon la règle de l'art, selon les règles qu'on t'a apprises dans toutes les lois de priorité, et essaye-toi autant que tu peux de manger. T'as réussi, t'as pas réussi. Ma foi, l'onitna Torah les malachim acharet. La Torah l'a pas donnée, elle n'a pas été donnée aux malachim, elle a été donnée aux hommes. Combien on peut consommer? On a mangé, on s'est efforcé, on n'a pas réussi. Bah, tant pis. D'accord? L'onitna Torah les malachim acharet. Donc, vachachamim omrim, achatat kodemet. La chatat, elle devance. Cette fois-ci, tu respectes les lois de priorité. Pourquoi? Mipene shei kodshe kodashim. Parce que le korban chatat, il a l'avantage d'être un Kodeshe Kodashim. Il a une Gdusha plus forte, plus grande. De ce fait, il doit être consommé avant le Shlamim. Et voilà. Le Barthénoir, il rapporte quand même un cas intéressant qui est plus en rapport avec notre Mishnah. Si déjà on a une Mishnah courte, je vous le dis très rapidement. Dans Mishnah Aleph et Mishnah Bet, on a eu deux règles. La première règle nous a dit Kol Atadir Mechavero. Tout celui qui est plus fréquent, alors il doit être offert le premier. La deuxième règle, on me disait, de la Mishnah Bet, elle me disait Kol Mekudash Mechavero, tout celui qui est plus saint, qui a une Kdusha plus forte. Et sur ça, on avait toute une hiérarchie pour définir qui est plus Kadosh. C'est-à-dire, Tadir, c'est par rapport à la fréquence. Ça concerne plutôt les Korbanot, chez Bechova, qui ont une obligation. Ça peut être le Tamid Shel Shachar, ou Shel Ben Arbaim, le Korban Tamid, l'Holocauste perpétuel, ou ça peut être le Korbanot qu'on fait spécialement à Pessah, à Shabbat, à Rosh Chodesh, et ainsi de suite. Donc là, il y a des règles de priorité, la Torah elle m'a dit, tu fais le tadir avant, le plus fréquent. D'un autre côté, la deuxième règle, elle m'a dit, tu fais le plus kadosh en premier lieu. La question maintenant que la Mishnah, la Gemara soulève à notre endroit, dans notre Mishnah, elle est de savoir qu'est-ce qu'il y a lorsqu'il y a soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire, un korban qui est plus kadosh face à un korban qui est plus fréquent. Est-ce que c'est le paramètre de fréquence qui va cette fois-ci l'emporter? Ou est-ce que ça va être le paramètre de plus Kadosh qui va l'emporter? Et la Mishnah elle reste en Ibae, Delo, Pichetta, il rapporte le Barthénora. Donc ça n'a pas été tranché. Il conclut quand même que malgré tout, Tadir, Kodem,
Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.